suis au courant. Bon, allez, il ne me reste plus qu'un vêtement à étendre sur ma corde à linge. Et voilà. Tout mon linge propre est étendu sur la corde. Maintenant, je vais pouvoir me détendre. Oh non! Le vent a soufflé si fort que tout mon linge s'est envolé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il faut que je le récupère. Madame Bouvier! Oh, désolée, Pom-Pom. C'est difficile pour toi de sauter de cette hauteur, n'est-ce pas? Exactement, Madame Bouvier. Les loulous de Poméranie sont une race de chiens de petite taille. Voilà, je te repose. Maintenant, je vais récupérer tout le reste de mon linge propre. Oui! Reviens ici, tête de traversin. Madame Bouvier! J'arrive pas à monter. Je vais pas jouer au jeu du linge avec vous. Pom-Pom! Mais je suis toujours enthousiaste. Je continue à y croire. Enfin, je tente ma chance, tu vois. Oh, pauvre Pom-Pom. En fait, elle est un peu trop petite pour jouer à ce jeu. Être petit, ça n'est pas du tout un défaut, ma choupinette. Ébloui! Viens, on va jouer à la balançoire. D'accord. Cet épisode de Bloui a pour titre La balançoire. On va très haut sur la balançoire rose. Oh, j'espère vraiment qu'il reviendra dans la saison 4. Oui, c'est prévu. Tu n'as pas vu la bande-annonce? Mais non. Quelle bande-annonce? Oh, il est en Russie ou un autre pays. La chouette, alors, c'est clair. Elle est à moi. Hé, hey, descends tout de suite. Oui, descends, Oust, on y était en premier. Mais toi, tu n'y es plus. Allez, Bingo, donne-moi un coup de main. Oh, un bon petit massage. Oh, cool, merci beaucoup. Oui, un tout petit peu plus bas. Oh, oui, c'est pile au bon endroit. Attrape vite son bras. Oh oui, un massage d'ailleurs, c'est un vrai bonheur. Oh, va-t'en, grand méchant chien bleu. Non. J'ai une petite idée, suis-moi Bingo. On va le faire tomber en se balançant à deux. Oui, génial. C'est parti. Oh zut, on n'est pas assez lourde. Eh oui, je suis plutôt costaud moi. Hé hey, Chloé, monte avec nous pour faire tomber papa de la balançoire. Oh mon accord. On va peser plus lourd que toi maintenant, monsieur le costaud. J'ai tellement peur. Allez, assieds-toi bien, Chloé. Zut, on n'est toujours pas assez lourde pour lui. Il doit peser autant qu'un hippopotame, alors. Ça suffit, je vais tout dire à maman. Ouais, va pleurer dans les jupes de ta mère. Maman! Tu vas drôlement te faire disputer. Coucou. Maman, papa est assis sur notre balançoire et il veut pas du tout descendre. Oh, le vilain garçon. Un petit hot dog pour toi, mon chéri. Oh, merci beaucoup, ma tendre et chère. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu donnes pas à manger. Sinon, il va peser beaucoup plus lourd. Ça remplit bien l'estomac. Allez, amusez-vous bien, les enfants. C'est vraiment n'importe quoi. C'est incroyable, les adultes refusent de nous aider. Il faut appeler d'autres enfants à la rescousse. Tourne. Coco, on a besoin de toi. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? On essaye de faire descendre papa de la balançoire. Oh. Mais à nous trois, on fait un tout petit poids. Oh. Et en plus, il n'arrête pas de se gaver de saucisses. Oh, zut. Est-ce que toutes tes petites bouclettes pèsent lourd d'après toi? Oui. Tant mieux, suis-moi. J'ai emmené Coco. Hourra. Oh. Oh, chouette, ça marche. Les bouclettes de Coco ont ajouté le poids qu'il fallait. Hourra. Ça s'est arrêté. On dirait qu'on pèse toujours pas assez lourd pour lui. Je suis désolée. C'est pas du tout ta faute, Coco. C'est de la sienne. Wow, il nous faut un autre renfort. Oh, oh, allez, use. Sneakers, on a besoin de toi. Mais je suis en train de jouer sur A. Tu viens, en route. Oh, toi, tu vas voir, on va te régler ton compte. Maintenant, on a un teckel avec nous. Louis, regarde ce qu'il a dans les mains. Hein? Oh, Ronnet, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre doudou. Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Sneakers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens. Oh, t'as vu, Ronnet, tu peux avoir une pierre à câliner, toi aussi. C'est quoi? Blague. Regardez, sa pierre doudou a aussi une pierre doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, Oust. Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Papa! Viens par ici, vite! Ok, j'arrive tout de suite! Viens, on là, a besoin de ton aide! Et me voilà! Pom-Pom, monte vite sur la balançoire! Oui, d'accord! Mange une croquette! Je suis dessus! Oui! C'est bien, continue! Vas-y! Me voilà, j'arrive! C'est bien, elle réussit! Vas-y, Pom-Pom, avance encore un peu!
Et il se passe quoi là au juste? Pom-pom! Viens par là, ma mignonne. Pom-pom! Ouh, j'ai eu drôlement chaud. Dépêche-toi, Pom-pom. Remonte toute la pente. Je vais le faire. Oui, c'est ça. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Continue, regardez, ça marche. Wow. Continue à avancer. Wow. Arrêtez tout de suite. Tu vas y arriver, tiens bon. Oui, j'ai réussi. À l'aide, j'aime pas être bloqué là-haut. Bien fait pour toi, vilain méchant. Oui, c'est notre balançoire. J'exige que vous me fassiez redescendre immédiatement. Oh, d'accord. Alors on va tous se lever en même temps. Vous êtes prêts? On est prêts. Attendez, une seconde. Et hop. Tous sur lui. Non, à l'aide. Au secours. À moi. Et voici venir Madame Araignée. Oh non. Ah, je suis laid. Oh, t'es une coquine, petite mouche. Est-ce que je peux faire l'araignée, Bingo? Bien sûr que oui. Mais voyons, t'es trop petite pour jouer l'araignée. Non, pas du tout. Non, elle n'est pas trop petite. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes.